Et moi, je voudrais commencer en partant un peu de quelques aspects qui ont été abordés dans la première séance du cycle hier qui a été animée par Marina, parce qu'il me semble en fait qu'ils sont importants, c'est des questions en fait importantes à remarquer, des questions conceptuelles, et qui vont avoir leur importance pour la deuxième partie de la formation, qui est celle qu'on va entamer aujourd'hui, autour en fait des questions de front unique, défense et attaque, où on va aborder les positions de Trotsky, mais aussi pour quelques aspects, un dialogue avec en fait les conceptions qui étaient celles d'un autre révolutionnaire de la même génération, le révolutionnaire italien Antonio Gramsci. Donc pour commencer, la première chose en fait que nous avons abordée hier, c'est qu'à partir donc de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, le débat à l'intérieur du mouvement révolutionnaire va subir une forme d'innovation qui va passer par l'importation d'un certain nombre en fait, de concepts de la stratégie militaire pour en fait, les débats qui concernent la stratégie révolutionnaire, la stratégie des partis marxistes. Jusque-là, c'est Trotsky qui l'explique, y compris en fait, dans un texte, le terme même de stratégie n'existait pas dans le mouvement révolutionnaire et on parlait seulement de tactique. Et c'est donc à partir surtout en fait, du début du XXe siècle et donc du début de la phase impérialiste du développement du système capitaliste que cette question de la stratégie va donc gagner une place centrale dans le débat des révolutionnaires. Au tout début, en fait, les premières utilisations sont surtout pour analyser et étudier les guerres en elles-mêmes et ensuite, avec un apport y compris notre camarade Kautsky, ces concepts-là vont être utilisés pour analyser le chemin même de la révolution, c'est-à-dire en fait comment les partis révolutionnaires conduisent la classe ouvrière ou non vers la victoire, non pas dans une guerre dans le sens strict du terme, mais dans la guerre révolutionnaire, dans la guerre civile en fait qui implique la prise du pouvoir par le prolétariat. Donc pour synthétiser à nouveau pour les camarades en fait qui n'étaient pas là hier, de quoi on parle quand on parle en fait de tactique et de stratégie. Tout d'abord, en fait, la tactique, c'est la façon, en fait, ou un plan de bataille pour pouvoir emporter une victoire sur une opération militaire isolée. Comme vous savez, en fait, les guerres sont composées de plusieurs batailles. Et donc, en fait, on peut avoir une tactique pour emporter une bataille, mais c'est dans l'articulation entre les différentes batailles qui se gagne la guerre. C'est pour ça, y compris, qu'on a un dicton qui dit, en fait, on a gagné une bataille, mais pas encore la guerre, visiblement, ou vice-versa. Et donc, qu'est-ce que c'est que la stratégie en termes militaires? Et ensuite, on va essayer de transposer ça sur le terrain de la politique révolutionnaire. La stratégie, c'est l'art de l'articulation de différentes batailles, mais aussi de l'articulation de volume de force, et on va après en fait parler de ça, en termes militaires, les volumes de force, ce sont les effectifs de l'armée que nous avons, et en termes de politique révolutionnaire, ce sera en fait les masses et les forces du parti, de l'organisation, les forces organisées par le parti dans le cours de la révolution. Et donc l'art de la stratégie, ce n'est pas l'art d'emporter une victoire sur une bataille isolée, mais c'est l'art de l'articulation dans le temps et dans l'espace, mais surtout dans le temps, dans ce qu'il s'agit en fait de politique révolutionnaire, des forces dont dispose l'armée révolutionnaire, mais aussi des batailles autour desquelles en fait va s'articuler la lutte pour la prise du pouvoir. Donc qu'est-ce que c'est que les batailles isolées pour en fait la politique révolutionnaire, puisqu'en fait c'est ça qui nous intéresse en particulier? Ça peut être par exemple une grève. Donc on peut avoir une tactique très efficace pour emporter la victoire dans une grève partielle dans un secteur. Mais on sait bien en fait que la victoire dans une grève ne nous amène pas automatiquement à la prise du pouvoir de l'État. De même, même en fait la participation dans une élection peut être considérée comme une bataille précise qui n'est pas en fait le centre de gravité de notre activité, mais qui peut contribuer à, par exemple, élargir l'influence des révolutionnaires et donc à créer des meilleures conditions pour que les révolutionnaires puissent emporter les prochaines batailles et ensuite, en fait, à les articuler jusqu'à la victoire finale de la guerre, entre guillemets, mais qui, pour nous, est en fait la bataille pour la prise du pouvoir de l'État par la classe ouvrière, pour la destruction
de cet appareil de taille. Ça, en fait, c'est un désaccord qui va émerger précisément avec un secteur du mouvement ouvrier dans ces années-là. Est-ce qu'il s'agit juste d'occuper les places dans l'État bourgeois ou est-ce qu'il s'agit de le renverser, le détruire et le remplacer par de nouvelles institutions ? Et avec, en fait, un objectif final que, en fait, à cet État serve à la transition entre le système de misère dans lequel nous vivons aujourd'hui et un système de débarrasser de toute forme d'exploitation et d'oppression. Pour le marxisme, et ça a une certaine importance, pour le marxisme révolutionnaire, cette bataille-là, le terrain d'opération de cette bataille, de cette guerre, est le terrain, en fait, mondial. C'est-à-dire, en fait, on peut emporter des batailles, entre guillemets, à l'échelle de différents pays, mais si on n'arrive pas à articuler à l'échelle internationale les différentes révolutions, et on va revenir là-dessus, sur les problèmes qui se sont posés après 1917, si on n'arrive pas, en fait, à étendre la révolution, à emporter des nouvelles batailles, à des nouvelles révolutions qui s'emparent du pouvoir, on finit par, en fait, reculer et on finit par ne pas pouvoir, en fait, emporter jusqu'au bout la guerre, c'est-à-dire, en fait, la guerre pour en finir avec le système capitaliste à l'échelle mondiale. Dans le débat que nous avons, en fait, sur lequel nous avons... nous sommes revenus dans, en fait, la séance d'hier, qui était surtout, en fait, le débat entre Rosa et Kautsky. Bon, après, en fait, on va dans d'autres, mais le gros, c'est quand même, en fait, le débat entre Rosa et Kautsky qui va se développer à partir de 1905-1906, mais surtout, en fait, autour des années 1910. En théorie, les deux participants de cette discussion partaient, en fait, sur l'idée qu'il fallait, comme on disait hier, abattre le système capitaliste, qu'il fallait aller vers une société socialiste, mais ce sera le premier débat qui va se poser, en fait, en termes de stratégie, c'est-à-dire, en fait, en termes de quels sont les moyens d'obtenir nos fins politiques. C'est-à-dire, nous voulons lutter pour cette société. C'est pour ça, souvent, en fait, qu'on nous traite d'idéalistes, on rêve d'une société qui ne serait pas possible. Mais le vrai problème, c'est le problème de comment y arriver. Et dans le cas, en fait, de Rosa et de Kautsky, ils vont donc établir deux stratégies différentes, en s'appuyant, y compris, en fait, sur une théorisation militaire. La stratégie, en fait, d'usure, d'un côté, qui est celle, en fait, prônée par Kautsky, opposée à la stratégie d'abattement, qui serait celle, en fait, incarnée par la direction du parti russe et défendue dans le débat, en grande partie, par Rosa, en tout cas, en fait, dans les termes qui sont posés, en fait, dans la polémique avec Kautsky. Bon, vous imaginez bien, les camarades, que les événements ultérieurs, d'une certaine façon, en fait, ont fait avancer le débat. Vous savez, en fait, probablement comment a fini Kautsky, on en a parlé, en fait, hier. Il a fini, en fait, comme un des principaux défenseurs de, en fait, l'armée allemande dans la guerre et du fait, en fait, de soutenir la boucherie mondiale au travers laquelle les travailleurs, les prolétaires des différents pays allaient s'entretuer au nom des intérêts, en fait, de leur propre bourgeoisie. Et contre cette position-là, qui a été la position de Kautsky et de toute une partie, dont en fait la majorité du parti allemand, va être combattue pendant la guerre elle-même, en fait, par en particulier la direction du parti russe, mais aussi, en fait, par d'autres révolutionnaires qui vont défendre l'idée qu'il fallait, au contraire, s'appuyer sur le conflit armé de la guerre et sur le fait que la bourgeoisie avait été obligée de donner des armes à ses propres prolétaires pour tourner les fusils contre leur véritable ennemi, qui n'était pas de l'autre côté de la tranchée, mais plutôt qui étaient leurs généraux, leurs propres bourgeois, c'est-à-dire, en fait, transformer la guerre impérialiste mondiale en guerre civile révolutionnaire à l'échelle de chacun de ces pays pour pouvoir, en fait, déclencher un processus révolutionnaire à l'échelle internationale. Et de l'autre côté, la guerre elle-même, en fait, au bout de quelques années, a accouché d'un processus révolutionnaire dans un pays où personne ne s'attendait, qui était la Russie, un pays donc, en fait, comme on a discuté hier, de développement capitaliste arriéré, un pays dans lequel le prolétariat, qui était la classe censée être la classe dirigeante de la révolution, était une classe minoritaire, un pays dans lequel, en fait, il y avait beaucoup de traits féodaux, etc., etc. Et donc, si d'une certaine façon, le débat tel qu'il était posé en 1905-1910, il a été réglé par les événements, ça n'a pas mis fin pour autant à des débats stratégiques importants qui vont à nouveau utiliser la terminologie militaire ou des références, en tout cas sur des questions militaires, sur les nouveaux problèmes
qui vont être posées dans en fait, la suite des événements. Donc nous sommes en fait le lendemain de la prise du pouvoir en Union soviétique, mais en fait, comme je disais auparavant, du point de vue de la révolution mondiale, de la grande stratégie internationale, la victoire en Russie était la victoire d'une bataille, et les révolutionnaires russes, ils étaient conscients de ça. Ils disaient, en fait, le principal objectif et la principale valeur de notre révolution, c'est si elle sert à faire un effet contagion et à embraser le prolétariat de nos pays voisins, et en particulier de pays capitalistes plus avancés, où il y avait un prolétariat plus développé, plus fort, etc., comme était le cas, en fait, de l'Allemagne. Et il y a plein d'exemples, y compris dans la Révolution, incroyables de ça, où au milieu de la guerre civile, quand il y avait de la famine en Russie, quand éclate un processus révolutionnaire en Allemagne, le gouvernement révolutionnaire russe décide, en fait, d'envoyer des camions, des trains et des trains de blé pour pouvoir soutenir la révolution en Allemagne, qui pour eux était la seule garantie de pouvoir faire en sorte de continuer à étendre le processus révolutionnaire qui avait commencé en Union soviétique, en Russie devenue depuis en fait Union soviétique. Donc le problème principal qui allait se poser désormais, c'était le problème de l'extension de cette révolution qui avait démarré dans un pays de l'Orient, dans un pays en fait de développement capitaliste arriéré, vers en fait des pays de développement capitaliste plus avancés, et donc cela va ouvrir un débat sur en fait quelle est la façon, et est-ce qu'il y a ou non des différences de tactique ou de stratégie pour pouvoir en fait amener à la victoire la révolution dans un pays arriéré comme la Russie ou dans un pays comme l'Allemagne. Et au-delà même en fait de ces débats qui vont, et on va revenir après, qui vont par exemple en fait pour la première fois mettre à l'ordre du jour des tactiques dont on parle jusqu'à maintenant comme la question en fait du front unique, la question elle va être posée très très vite par la réalité. On a dit hier en fait qu'il y a eu une défaite révolutionnaire en Allemagne juste après en fait la révolution russe, au bout de laquelle y compris en fait Rosa Luxembourg va être assassinée, mais l'histoire en fait de la révolution en Allemagne elle va encore en fait se poursuivre et il va y avoir une nouvelle possibilité révolutionnaire en 1923. Donc nous sommes seulement à 6 ans de la révolution de 17. Vous voyez, les camarades, 6 ans, c'est très peu. C'est en fait le temps qui nous sépare, je ne sais pas, en fait, de la lutte contre la loi travail, dont un certain nombre, en fait, de personnes qui sont ici dans cette salle, pas toutes, heureusement, se souviennent. Je dis heureusement parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'avaient pas encore l'âge pour militer, et ça, c'est une bonne chose. Donc, on était seulement, en fait, à 6 ans après la révolution en Russie, et en fait on venait déjà d'une première défaite en Allemagne, et donc la question, tout le monde sentait en fait que l'avenir de la révolution mondiale se jouait dans une grande mesure dans la possibilité ou non de amener en fait la révolution à la victoire dans un pays avancé comme l'Allemagne, ce qui aurait été la porte d'entrée pour l'extension de la révolution à l'ensemble du continent européen. Et ça va donc poser le problème de comment en fait on s'empare du pouvoir dans un type d'État différent quand même en fait du type d'État qui existait en Russie. Comme vous savez en fait, l'État en Russie, il avait beaucoup en fait de traits féodaux, mais était un État relativement faible. C'est pour ça, y compris en fait que dans certains points de vue, et c'est les révolutionnaires eux-mêmes en fait qui ont été sur le devant de ce processus, la prise du pouvoir a été facile relativement. Je ne sais pas si les camarades les plus jeunes le savent, et sinon, en fait, je les conseillerais de l'étudier, en fait, ce processus, parce que c'est un processus passionnant. Mais la prise du pouvoir, qu'on appelle en fait la prise du palais d'hiver dans l'histoire de la révolution russe, est probablement en fait un des assauts révolutionnaires les plus économiques en termes de violence de l'histoire mondiale. Il y a eu, je pense, en fait, à peine une centaine de morts pendant la prise du pouvoir elle-même. La violence révolutionnaire n'est pas venue de la prise du pouvoir, elle est venue de la guerre civile qui s'en a suivie, en fait, pendant 3 ans, et qui a été le résultat de l'invasion de 14 armées de différents pays capitalistes pour essayer, à tout prix, d'enterrer cet exemple qui était devenu, en fait, l'Union soviétique pour les prolétariats de l'ensemble du monde. Donc, en fait, en général, rien ne se gagne, rien ne se perd, quoi. Ce qui est facile au début va en fait impliquer des difficultés derrière. Et en fait, on va revenir après quand on va parler en fait de la conception de Trotsky sur les problèmes en fait de défense et attaque.
Et donc, dans quel terme va se poser le problème de comment arriver à la prise du pouvoir en Occident avant, en fait, de rentrer davantage dans le processus de 1923. Elle va se poser en termes, en fait, de voir qu'il y a dans ces pays-là des États relativement beaucoup plus forts que ce qui n'était l'État russe, et en même temps des prolétariats et des partis, des prolétariats extrêmement forts avec des courants extrêmement importants, mouvements ouvriers développés, et des partis révolutionnaires proportionnellement, en fait, relativement plus faibles que ce qui n'était le parti russe. Et donc, quand les révolutionnaires ils vont élaborer la tactique du Front unique ouvrier, un des principaux objectifs de cette tactique-là était d'essayer de compenser la faiblesse des partis révolutionnaires en Occident de façon à permettre une accumulation de force plus rapide pour pouvoir passer à l'offensive, c'est-à-dire en fait à la nécessité de la prise du pouvoir. De ce point de vue-là, et ça en fait c'est une partie conceptuelle importante parce que c'est y compris en fait des questions qui résonnent dans des débats jusqu'à maintenant, Trotsky va expliquer que cette tactique du front unique sur laquelle en fait on va se plonger un petit peu en fait maintenant, c'était une tactique qui avait trois aspects différents. Donc qu'est-ce qui c'était en fait que le front unique? C'était une proposition faite par le révolutionnaire d'un accord ponctuel aux directions des autres partis du mouvement ouvrier, donc par exemple en fait de la social-démocratie, qui avait pourtant déjà trahi le mouvement ouvrier, comme on vient de dire en fait en 1914, avec souvent au départ des objectifs défensifs. Donc on va voir en fait plus tard qu'une des questions centrales où la tactique du front unique a été une question centrale, c'était pour combattre l'avancée du fascisme. C'est pour ça en fait que les premières discussions avec, sur ça, elles vont émerger beaucoup en lien avec la montée du fascisme, non pas en Allemagne, mais en Italie, c'est-à-dire Mussolini en fait dès le début des années 20. Donc c'est un accord entre les directions en fait de partis qui ne portent pas du tout la même stratégie, avec un objectif défensif, mais avec un objectif de fond très important, qui est celui, en fait, de faire aux masses une expérience le plus rapide possible avec des directions qui, en fait, se présentent comme des directions du mouvement ouvrier, mais qui ne défendent pas les intérêts de la classe ouvrière. Donc, en particulier dans cette époque-là, avec, en fait, la social-démocratie. Et avec, à la fin de tout ça, donc, un objectif que Trotsky va considérer qu'est l'objectif le plus important, qui est celui, en fait, d'élargir l'influence des révolutionnaires sur les masses, ce qui est la condition indispensable pour pouvoir en fait aborder les tâches offensives de la révolution, c'est-à-dire pouvoir commencer à préparer l'insurrection. Et donc cette tactique-là, elle va avoir pour Trotsky trois composantes, et c'est pour ça que c'était important au début de revenir sur les concepts de stratégie et de tactique. Il dira qu'il y a un aspect qui est un aspect qui n'est ni de tactique ni de stratégie, qui est un aspect de manœuvre, qui est le fait de proposer aux dirigeants d'autres organisations un accord ponctuel. Donc faisons un front contre les fascistes, faisons un front pour empêcher telle réforme de passer, etc., etc. Mais ensuite, qu'elle va avoir surtout une composante tactique et une composante stratégique. La composante tactique, c'était la nécessité d'unifier les rangs du mouvement ouvrier dans son ensemble autour d'une bataille précise. Par exemple, pour ne pas se laisser défoncer par les fascistes, pour protéger les locaux du mouvement ouvrier et leurs syndicats. Mais pour Trotsky, ça, encore une fois, comme il s'agit en fait d'un front pour une bataille précise, c'est un aspect tactique. Et quel est donc l'aspect stratégique de la tactique du front unique? C'est précisément la nécessité de faire avancer l'influence des révolutionnaires pour gagner la majorité de la classe de façon à pouvoir passer à l'offensive. Dans le cas russe, quand est-ce que cela avait eu lieu? À quel moment les révolutionnaires commencent à préparer l'offensive? C'est le moment où ils deviennent majoritaires à l'intérieur du Soviet. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir passer d'une situation qui était intermédiaire, en fait, à la prise du pouvoir qui va avoir lieu, donc, en fait, en octobre ou novembre, selon le calendrier
en 1917. Pourquoi cette discussion est très importante, les camarades? Parce que, et on va y revenir peut-être en fait un peu plus à la fin, mais vous aurez déjà en fait beaucoup entendu parler de Front Unique, et en général, surtout pour ceux en fait qui ont milité dans l'ONPA, quand on revendiquait la tactique du Front Unique, c'était toujours en fait une mauvaise nouvelle. On entendait en fait Front Unique, on avait déjà peur. Parce que le Front Unique, dans la tête de la direction du NPA, est à peu près l'inverse de ce qu'il n'était dans en fait la conception de Trotsky. Donc c'est d'abord et avant tout des accords avec les réformistes qui ne sont pas que ponctuels, ils ne sont pas que autour d'objectifs précis, mais qui sont souvent en fait des accords programmatiques où en fait on signe des textes unitaires qui disent exactement l'inverse que nous pensons au nom du Front Unique. Ça peut devenir même des accords électoraux. Nous avons déjà eu en fait le droit à ce type d'innovation qui nous expliquait en fait que faire des listes communes avec les réformistes pour les élections, c'était aussi en fait une tactique de Front Unique. Mais une partie de la direction du NPA en discussion avec nous est arrivée, y compris en fait à une théorisation sur ça, où ils inversent les termes de la proposition de Trotsky. Ils vont nous dire que l'augmentation de l'influence des révolutionnaires sur la classe, c'est un problème tactique, et que l'union de la classe autour de n'importe quelle stratégie ou de n'importe quel programme serait en elle-même, en fait, un objectif stratégique. Et autour de cette inversion des termes qui peut paraître, en fait, une question bête, il y a, en fait, une logique profonde d'adaptation aux réformistes, parce qu'au nom de l'union de la classe, on ne critique pas les bureaucraties syndicales. Au nom de l'union de la classe, on doit absolument sauter sur le train de la NUP et ne pas rester à l'extérieur et ne pas les critiquer pour ne pas nous mettre à dos les travailleurs en fait, qui se font des illusions sur la NUP, etc., etc. Et la lutte pour que les idées révolutionnaires s'emparent des consciences des masses, qui est la seule possibilité de pouvoir se poser sérieusement le problème de la révolution, devient pour ses camarades un problème tactique, mesquin, de en fait autoconstruction, etc., etc. Vous voyez que derrière en fait cette question-là, il y a sur le fond un reniement de la nécessité même en fait que les révolutionnaires puissent se mettre en position de pouvoir diriger des révolutions, et donc c'est un renoncement qui a des conséquences stratégiques extrêmement profondes. Mais comme je disais avant, la révolution de 1923 va poser ce type de problème, c'est-à-dire le problème des révolutionnaires, de leur rapport aux autres organisations du mouvement ouvrier, à l'unité de la classe et à la question de la lutte pour le pouvoir, dans des termes renouvelés. Qu'est-ce qui se passe donc, les camarades, en 1923 ? Vous savez sûrement qu'en fait, après la défaite de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, les vainqueurs de la Première Guerre ont eu une politique en fait d'humiliation de l'Allemagne, où l'Allemagne en fait devait payer des réparations de guerre, et qui a été y compris en fait une politique qui a tellement affamé les masses allemandes qu'elle a à la fois en fait créé des tendances à la révolution, mais ensuite y compris aussi pour la montée du nazisme qui a beaucoup exploité les sentiments en fait qu'il pouvait y avoir de rancune et de souffrance dans les masses allemandes par rapport à la situation qui leur a été imposée par en fait les autres impérialismes européens. Donc en 1923, le gouvernement de ce pays cher en fait dans lequel nous vivons va en fait organiser une invasion d'une région de l'Allemagne, que c'est la Ruhr, pour pouvoir en fait confisquer par la force ces réparations de guerre qui en fait étaient dues de leur point de vue par l'Allemagne. Cette invasion militaire va en fait susciter une réaction très vive du prolétariat allemand, qui va en fait commencer de façon très spontanée à se mettre en grève, et sur la base, y compris des expériences accumulées dans les processus révolutionnaires précédents, va très vite mettre en place des comités d'usine dans la plupart des grandes entreprises du pays, va mettre en place un truc qui s'appelait les centuries prolétariennes et qui n'était pas autre chose que des milices ouvrières, c'est-à-dire des détachements qui se chargeait en fait de défendre les comités de grève, les grèves, etc., y compris d'un point de vue militaire.
Et ces grèves-là vont faire tomber le gouvernement allemand de l'époque. Néanmoins, la chute de ce gouvernement ne va pas donner lieu immédiatement en fait, à un gouvernement révolutionnaire des travailleurs. Il y aura un gouvernement de coalition qui va se mettre en place, mais qui, face en fait, à la pression du mouvement de masse, va tenter d'avoir une politique de contention en proposant une coalition à nos amis du SPD, de la social-démocratie allemande. Et donc, dans ce gouvernement-là, il va y avoir 4 ministres du SPD. Il se trouve que, dans certaines régions, c'était en fait plutôt la gauche du RPD qui était majoritaire, ce qui pose en fait la possibilité que dans certaines régions, et comme vous savez, en fait, les régions elles ont beaucoup d'importance politique en Allemagne, et elles ont en fait leur propre gouvernement, etc., etc., dans certaines régions s'ouvre la possibilité de mettre en place des gouvernements régionaux, des organisations du mouvement ouvrier dans leur ensemble, des coalitions, mais pas avec des organisations de la bourgeoisie, seulement avec des organisations du mouvement ouvrier. Cela va se poser en particulier dans deux régions qui sont en fait la Saxe et la Thuringe. J'espère que c'est comme ça qu'on le dit en français. Moi, j'ai un problème parce que j'ai lu tout le bouquin en espagnol, j'ai pris toutes les notes en espagnol, et donc là, je dois le faire en français. J'ai en fait une panne linguistique, des fois. Et donc, va se poser une discussion à l'intérieur, en fait, de l'internationale communiste, qui ne porte plus juste sur la question du front unique, mais qui va porter en fait sur une autre tactique ou un autre en fait mot d'ordre qui avait déjà été utilisé par les révolutionnaires, qui était celui du gouvernement ouvrier. Parfois gouvernement ouvrier et paysan. Non, on disait gouvernement ouvrier et paysan dans un pays comme en fait la Russie, parce que c'était un pays avec une majorité de paysans. Et en fait, cette question-là, la question en fait du gouvernement ouvrier et paysan ou du gouvernement ouvrier selon les différents pays, elle avait une certaine histoire du point de vue en fait du mouvement révolutionnaire. Elle a eu d'abord en fait une utilisation générale qui a été en fait comme une forme de populariser l'idée même en fait de la dictature du prolétariat, c'est-à-dire en fait d'un gouvernement après la prise du pouvoir où en fait ce sont les ouvriers en premier lieu, mais en accord avec les paysans qui dirigent le pays. Mais elle sera utilisée aussi en fait comme un mot d'ordre de type tactique au sein de la révolution russe elle-même. Il y a un moment ici, s'il y a des camarades ici qui en fait ont assisté à la formation donnée par Jean-Philippe hier sur la révolution russe, ils vont en fait probablement se souvenir. Il y a un moment où en fait les conditions pour la prise du pouvoir en fait d'un point de vue objectif commencent à être posées en Russie, mais où à l'intérieur des soviets, qui sont donc un organe de front unique extrêmement large et qui regroupe en fait la majorité du prolétariat, et au cours de la révolution va organiser même aussi en fait les soldats et les paysans, à l'intérieur en fait des soviets, la force majoritaire, ce n'était pas les bolcheviks. Les bolcheviks étaient considérés comme des gauchistes, etc. Et c'était les partis plus de centre qui étaient majoritaires, les mencheviks et les socialistes révolutionnaires. Et les bolcheviks, ils vont appliquer une tactique qui va avoir en fait beaucoup d'effectivité dans le cas russe, qui est celui en fait d'avoir une exigence vis-à-vis de leurs adversaires, c'est-à-dire en fait des mencheviks et des socialistes révolutionnaires, où ils disent en fait prenez le pouvoir. Vous avez la direction du Soviet, prenez le pouvoir. Nous n'avons pas la même stratégie, nous n'allons pas rentrer dans votre gouvernement, mais si vous prenez le pouvoir, nous nous engageons à défendre votre gouvernement contre les tentatives de restauration en fait, féodale, tsariste, etc., etc. Et nous engageons également à ne pas combattre votre gouvernement par les armes. Non ? Donc il leur fait cette proposition qui est en fait une accolade d'ours. Non, les camarades, souvent en fait, comme ce type de tactique dans le mouvement ouvrier. À quoi ça servait cette tactique-là au sein de la révolution russe ? À accélérer l'expérience des masses russes qui faisaient confiance encore à ces directions conciliatrices sur le fait qu'elles ne voulaient jamais de la vie s'emparer du pouvoir et en finir avec la guerre, la famine et la misère en fait, dont les masses n'en pouvaient plus. C'était une façon de dire en fait, regardez vos dirigeants, ils disent en fait, qu'ils veulent vous amener au socialisme, mais ce n'est pas vrai. Et cette étape-là a été un moment de virage qui a été fondamental pour que les bolcheviks
deviennent majoritaires au sein du Soviet et puissent commencer à se poser sérieusement le problème de la révolution, de la prise du pouvoir. Mais là, comme vous voyez, nous sommes encore en fait avant la prise du pouvoir. Face à la situation en fait qui est ouverte en Allemagne en 23, le pouvoir, il était encore entre les mains des capitalistes. Et donc la discussion sur le gouvernement ouvrier, elle va se poser dans d'autres termes. Elle va d'abord se poser une première fois en 1922, avant en fait la révolution de 23. Et là, je voudrais en fait vous lire une première citation sur la façon en fait comme Trotsky va aborder cette discussion en 22, qui me semble extrêmement intéressante. Il dira, « Si vous, nos camarades communistes allemands, vous pensez qu'une révolution est possible en Allemagne dans les prochains mois, alors nous vous conseillerons de prendre part à un gouvernement de coalition en Saxe et d'y utiliser vos postes ministériels pour faire avancer vos tâches politiques et d'organisation et transformer d'une certaine façon la Saxe en terrain d'entraînement de façon à posséder un bastion révolutionnaire déjà renforcé dans une période de préparation pour l'explosion proche de la révolution. Cela ne serait possible que si la pression de la révolution se fait déjà sentir, si elle est déjà à portée de main. Dans ce cas, cela impliquerait seulement la prise d'une position en Allemagne, laquelle vous êtes destiné à conquérir dans son ensemble. Donc de s'emparer d'une bataille tactique au service de la victoire de la guerre stratégique. Mais aujourd'hui, vous jouirez en Saxe un rôle d'annexe impuissant, car le gouvernement saxon est lui-même impuissant devant Berlin, et Berlin est un gouvernement bourgeois. Donc il dit, comme la révolution n'est pas pour les prochains 6 mois, en Allemagne, il dit ça en 22, ne rentrez pas dans le gouvernement, parce que, en fait, vous allez finir par vous faire bouffer, ça ne servira pas aux objectifs révolutionnaires, ça sera une adaptation à l'État bourgeois. Seulement une année après, et c'est ça qui est intéressant, et je trouve les camarades, je fais une parenthèse là-dessus, que c'est une école pour ne pas avoir en fait une pensée dogmatique. Donc une année avant, il dit, si vous entrez, vous allez contribuer à l'État bourgeois et ça sera une capitulation. Et une année après, il va recommander à ces mêmes dirigeants du parti allemand d'appliquer la tactique qu'il avait dit, qui en fait une année auparavant en fait, était pas adaptée. Pourquoi ? Parce que la situation en 23 est celle que je vous ai décrite, c'est-à-dire un pays traversé par une occupation militaire, par une vague de grève nationale, par la constitution de comités de grève dans toutes les usines qui jouaient un rôle analogue à celui des soviets pour le mouvement ouvrier, parce qu'ils se coordonnaient entre eux, de milices ouvrières, etc., etc. Donc là, Trotsky voyait que cette position ou cette place forte qui pouvait être en fait le gouvernement dans en fait, une région de l'Allemagne, pouvait être mise au service du passage de la défense à l'attaque, de la défensive à l'offensive, c'est-à-dire en fait, pour commencer ce que Trotsky va appeler la première phase de la guerre civile, c'est-à-dire le déclenchement de l'offensive révolutionnaire pour la prise du pouvoir. Vous voyez ? Donc les tactiques, elles dépendent, en fait, leur justesse dépend de beaucoup de choses, en particulier d'une analyse très précise de quel est l'état de, en fait, le théâtre d'opération de la guerre que nous sommes en train de mener à un moment donné, et si, en fait, l'occupation d'une position va être mise au service de notre stratégie ou non. Donc, la même tactique, dans des moments différents, peut avoir un sens stratégique opposé. Pourquoi vous rigolez ? C'est un chien qui veut apprendre à passer de la défense à l'attaque. Donc, c'est très intéressant ça, les camarades, parce que
cette conception donc, que Trotsky va développer concernant en fait, le fait d'occuper des places dans un gouvernement encore à l'intérieur d'un système capitaliste pour se servir de ces places fortes pour la prise du pouvoir, elle va avoir en fait, une corrélation très compréhensible avec en fait, la façon comme Clausewitz, pour revenir en fait, à notre théoricien militaire, va en fait théoriser la question du rôle des places fortes, c'est-à-dire en fait des forteresses, dans la défensive et dans l'offensive, dans en fait les guerres. Donc il dira que en fait les forteresses ou les places fortes vont jouer un rôle très important, presque primordial, quand on est en train de se défendre, parce qu'on peut en fait être dans une tranchée à l'intérieur en fait et se défendre comme ça. Mais qu'à l'offensive, elles peuvent aussi jouer un rôle important. Donc, Clausewitz dira, il faut évidemment y ajouter les forteresses, car elles ont une influence notable sur l'attaque si elles sont dans le voisinage du théâtre de guerre ennemi. Donc, le voisinage du théâtre de guerre, c'est la proximité ou non de la possibilité de la révolution, de l'insurrection, de la prise du pouvoir. Mais cette influence diminue graduellement avec la progression de l'attaque, et il est évident qu'au cours de l'attaque, nos propres forteresses ne peuvent jamais jouer un rôle aussi important que dans la défense, où elles deviennent souvent le facteur principal. Mais donc il va y avoir, en fait, chez Trotsky, une importance accordée en fait, à cette question des positions. Et là, quand on va en fait, le transposer à une réflexion plus proche pour nous, qu'est-ce que sont en fait, les positions pour les révolutionnaires en époque non révolutionnaire pour l'instant que nous vivons? Ça peut être, par exemple, en fait, la direction d'un syndicat combatif. Ça peut être plusieurs choses qui peuvent être mises au service de la lutte révolutionnaire et qu'il faut savoir utiliser à la fois pour se défendre quand on est attaqué, mais aussi les mettre au service de l'offensive quand les conditions en fait, sont réunies pour pouvoir passer à l'offensive. Donc, les camarades, Trotsky va, sur cette base-là, se battre de façon acharnée pour convaincre ses camarades dirigeants du parti allemand qu'il fallait adopter la tactique du gouvernement ouvrier, qu'il fallait faire une coalition électorale avec les sociodémocrates de gauche dans les gouvernements en fait, de la Saxe et de Thuringe, et en fait, il finira par les convaincre. Et ils vont le faire. Et néanmoins, en fait, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Qu'est-ce qui va arriver dans, en fait, à l'échelle? Et ça va se passer très, très vite. Ils vont rentrer en fait, dans le gouvernement. Trotsky avait dit qu'il y avait un certain nombre de conditions dans le programme de ce gouvernement pour qu'il puisse en fait ne pas être déconnecté de l'objectif stratégique de la prise du pouvoir. Et la première condition, hein, écoutez bien, parce que ça va être important après, c'était que la tâche numéro un de ces gouvernements-là était de désarmer la bourgeoisie et d'armer les ceintures prolétariennes. D'armer le prolétariat et de désarmer la bourgeoisie. Pour voir à quel point c'était juste un petit avant-goût de la prise du pouvoir. C'était une position rapidement, en fait, on l'utilisait pour résoudre un problème un peu important quand même à la veille de l'insurrection, c'est de comment désarmer la bourgeoisie et armer le prolétariat. Le problème, en fait, c'est que les camarades du KPD, donc les camarades du Parti communiste allemand, rentrent dans le gouvernement, ils proposent ça, Berlin, le gouvernement central, crie et dit, en fait, que s'ils font ça, ils vont envoyer l'armée, ils vont réprimer tout le monde, et ça sera une massacre. Les centristes, qui sont en fait à l'aile gauche du SPD, vont renoncer totalement en fait à la politique d'armement des ceintures prolétariennes et de désarmement de la bourgeoisie. Et à partir de là, en fait, les révolutionnaires du KPD ne vont ni se battre pour une autre politique, ni quitter le gouvernement. Ils vont concilier avec le SPD. Ils vont abandonner l'idée même en fait de lancer le plan de l'insurrection. Avec un petit bémol dans cette histoire, c'est qu'à l'époque, en fait, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Internet. Et donc, l'info qu'il fallait décommander le plan de l'insurrection est arrivée un peu tard dans une région un peu importante, en fait, et que c'était Hambourg. Et c'est là où on voit qu'il y avait une véritable possibilité, c'est que, en fait, le parti à Hambourg et les révolutionnaires déclenchent une insurrection à l'échelle locale. Et cette insurrection à l'échelle locale va, pendant plusieurs jours, emporter des victoires militaires, des succès militaires
contre les troupes de répression qui étaient relativement faibles. Malheureusement, avec la capitulation des dirigeants en Saxe et à Thuringe, ils se sont retrouvés totalement isolés. Berlin a pu concentrer toutes ses forces et envoyer en fait ses troupes pour les réprimer et l'insurrection a été défaite. Mais pour voir en fait à quel point il y avait une possibilité d'articuler place forte, différentes batailles, etc., et que ça aurait été beaucoup plus compliqué pour le gouvernement central allemand de réprimer, par exemple, une insurrection simultanée dans trois des principales régions allemandes. Et là, en fait, se termine de cette façon un des chapitres, en fait, les plus tragiques de l'histoire, en fait, de ces années, parce que, en fait, cette deuxième défaite révolutionnaire en Allemagne va peser lourd sur, en fait, le moral du mouvement ouvrier. La situation, en fait, n'était déjà plus la même tout à fait que le lendemain, en fait, de la révolution de 17. Et donc, il va y avoir une discussion à l'intérieur de l'Internationale communiste. Il va y avoir un congrès juste après, en fait, la défaite de la révolution de 23, où il s'agissait pour Trotsky de tirer le bilan de cette expérience-là. Trotsky va dire, il va faire une définition en fait extrêmement forte, il va dire, hein, nous sommes passés à côté d'une situation révolutionnaire et pour la première fois, la responsabilité est de l'Internationale communiste. Donc soit on tire le bilan de ça et on apprend de cette expérience, de cette défaite pour la suite, soit en fait ça sera une débâcle totale. Et en fait, pour la première fois, il va y avoir, là on voit qu'il y a un début véritablement en fait, de bureaucratisation déjà dans en fait, l'Internationale communiste. La direction de l'Internationale communiste va, dans une grande mesure, en fait, refuser d'avoir le débat en profondeur de pourquoi la révolution de 23 avait échoué. Et le bilan global qui va s'imposer est un bilan un peu en fait, objectiviste qui sert en fait, à dédouaner la responsabilité de l'Internationale. Ils disent que les conditions n'étaient pas réunies. Le rapport de force était défavorable, ce serait la traduction actuelle en fait pour dire la même chose. Les conditions n'étaient pas réunies et donc en fait ce qu'ont fait les camarades en fait, de la direction allemande était une tactique erronée, il n'aurait pas fallu en fait rentrer dans les gouvernements, etc., etc. Mais voilà, c'est ça et rien ne change. C'est-à-dire en fait le bilan, c'était le bilan sur en fait la tentative tactique qu'il y avait eu et non pas sur le fait qu'au moment où il fallait briser le front unique, entre guillemets, avec les sociaux-démocrates et déclencher l'insurrection, en fait, la direction du KPD avait hésité, il avait donc, en fait, capitulé. Trotsky va donc tirer le bilan que le problème de ce qui s'est passé en Allemagne, ce n'était pas du tout le fait d'avoir essayé de déclencher une offensive là où il n'y avait pas les conditions pour, mais que les conditions pour l'offensive étant présentes, le moment où il fallait passer à l'offensive, il y a eu un moment en fait de doute, d'hésitation, de manque en fait de fermeté de la direction du parti allemand. Et c'est très intéressant ça, je trouve, les camarades, parce que ça pose un problème extrêmement important. C'est-à-dire, ils avaient défini une tactique correcte, ils avaient pensé la stratégie et la tactique correcte, et pourtant en fait ils ont échoué. Et ça me fait beaucoup penser en fait, à une phrase de Clausewitz qui apparaît dans le premier chapitre du livre, où en, fait, en parlant de la guerre, il dit un truc qui peut paraître en fait, dans un premier moment un peu abstrait, un peu incompréhensible. Il dit « Dans la guerre, tout est très simple, mais rien n'est très facile. » Et qu'est-ce qu'il est en train de vouloir dire par là et qu'il explique dans la citation? Je ne vais pas lire la citation, je vais la paraphraser. Parce qu'il comprend, en fait, je l'avais en espagnol et là, je n'ai pas le temps de la chercher en français. Il dira... une fois qu'on connaît le théâtre d'opération, qu'on a plus ou moins une vision des forces de l'ennemi et des nôtres, établir un plan pour gagner la guerre n'est pas très compliqué. Le problème le plus difficile dans la guerre, c'est de se tenir à ce plan jusqu'au bout, avec toute la pression qui parfois en fait est une pression brutale, qui est la pression de l'écrasement par la force, etc., etc. C'est-à-dire, en fait, même des directions qui, au départ, peuvent avoir en fait, des conceptions qui ne sont pas des conceptions contre-révolutionnaires, qui ne sont pas des conceptions réformistes, qui peuvent même en fait, être en train d'adopter une tactique qui pouvait être correcte, le moment où il s'agit de passer à l'offensive, de véritablement, en fait, avec tous les risques que ça implique, prendre les armes et en fait, faire l'assaut au ciel,
il y a quasiment en fait une loi universelle dans l'histoire des partis révolutionnaires qui, à ce moment-là, il y a en fait un moment d'hésitation et il y a des ailes droites qui émergent en fait dans les différents partis pour dire ce n'est pas le moment, les conditions ne sont pas réunies, attendons encore un peu, etc., etc. Ceux qui en fait connaissent un peu l'histoire de la révolution russe ou qui étaient en fait dans l'atelier sur la révolution russe, vous voyez en fait vers où va mon doigt. Mais à la veille de la révolution, il y a deux des principaux dirigeants en fait du parti bolchevique, qui sont Zinoviev et Kamenev, qui adoptent exactement la même position, qui disent qu'il ne faut surtout pas prendre le pouvoir et qui vont même, d'une certaine façon, en fait, dévoiler le plan de l'insurrection en fait, dans les journaux, ce qui posait des problèmes même pour la réussite du plan de la majorité de la direction. Et dans tous les processus révolutionnaires, quasiment, il y a ça. Et Trotsky, il va expliquer ce problème capital de la révolution. Il a un terme même, il dit... je vais essayer de trouver le terme... Bref, j'ai le même problème en fait avec mes citations en espagnol. Mais il dit en gros en fait que à la veille du passage à l'offensive, il y a un phénomène qui arrive souvent, que c'est en fait une espèce de panique à la veille de l'insurrection. En fait, la direction elle est prise par la panique et ça crée en fait un phénomène de hésitation. Où il faut en fait une grande détermination, une grande compréhension stratégique pour assumer tous les risques et les défis que implique en fait de passer de la défense à l'attaque. Dans le cadre de la révolution russe, avant même en fait le problème avec Kautsky et Zinoviev, quand Lénine décide en fait dans sa tête, dans l'exil, que c'est le moment de en fait commencer à préparer l'insurrection. Je ne sais pas si vous connaissez en fait cet épisode, mais il envoie des lettres de l'exil pour essayer de convaincre la direction du parti. Et la direction du parti pense que Lénine est fou, décide de ne pas lui répondre et déchire ses lettres. Et Lénine, il doit venir en Russie, dans la clandestinité, il y a même la photo où il se met la perruque, etc., pour pouvoir venir en Russie, pour les convaincre, en fait, de façon présentielle. Et ça sera, en fait, une grande bataille, parce que l'ensemble de la direction, qui pourtant s'était préparée à ça depuis, en fait, des mois et des années, en août-septembre, se dit, est-ce qu'on va vraiment, en fait, se lancer dans la bataille décisive, en fait, qui est celle de la révolution? Ce sentiment-là, les camarades, cette psychologie est quelque chose, en fait, de compréhensible. On a discuté hier, en fait, moi je disais ça dans mon intervention hier, qu'en général, en fait, la victoire et la défaite, quand il s'agit, en fait, de révolution, c'est pas gratuit. Si tu perds, c'est-à-dire si tu te trompes et que les conditions n'étaient pas réunies et que tu perds l'assaut révolutionnaire, ça se paye cher. Ça se paye avec une contre-révolution qui met tout le monde en prison, qui parfois, en fait, tue l'avant-garde révolutionnaire. Moi, je vous ai parlé pour parler d'un exemple un peu récent de ce qui s'est passé, en fait, en Amérique latine dans les années 70, où, en fait, la défaite des processus révolutionnaires en Argentine ou au Chili va déboucher sur l'élimination physique de toute une génération militante, parfois qui se compte, en fait, en dizaines de milliers de personnes selon en fait le pays. Donc comme vous voyez, il y a un moment en fait on se dit quand même si c'est sérieux et il y a quand même beaucoup de pression qui est mise du côté de la bourgeoisie pour essayer en fait de faire paniquer et apeurer les révolutionnaires en fait dans les moments décisifs et c'est ce qu'a fait le gouvernement de Berlin en disant en fait si vous faites ça, on va venir, on va vous envahir, on va vous massacrer et avec cette pression ils ont réussi à faire fléchir la direction en fait des gouvernements de Saxe et de Thuringe et à faire capituler même la direction du KPD au nom du maintien de l'accord avec le SPD de gauche. Et Trotsky va dire un truc très intéressant en fait sur ça. Il va dire que la direction du KPD avait transformé la place forte en une fin en soi. C'est-à-dire cette forteresse qui était le fait de composer un gouvernement dans ces états, dans ces régions-là, qui devait être mise au service de la révolution, au nom de maintenir cette unité et de maintenir en fait leur place dans le gouvernement, ils vont renoncer au plan stratégique qui était la prise du pouvoir. C'est-à-dire la tactique du gouvernement ouvrier va devenir une stratégie et va remplacer la véritable stratégie qui était celle en fait, de la préparation de l'insurrection.
Hein, tout ça pour vous dire en fait que le rapport entre stratégie et tactique en fait est un rapport complexe. La tactique, elle est à la fois une manifestation dans un moment donné de la stratégie, mais en même temps, comme je vous disais, c'est dans un moment et dans un contexte donné. Et la même tactique, elle peut avoir des contenus différents selon le moment. Et si on érige une tactique juste en stratégie, on est en train de briser cette unité entre tactique et stratégie. En général, ça débouche en fait sur des capitulations, des renoncements importants avec toutes les conséquences qui vont avec. Je vais essayer d'accélérer un petit peu pour qu'on ait un peu de temps pour le débat. Donc, l'international communiste refuse de tirer le bilan de cet échec en fait, dont la direction du parti allemand et au travers elle aussi, en fait, l'international dans son ensemble était un parti responsable. Et en fait, la discussion va néanmoins en fait, se poursuivre parce qu'il y a une discussion sur quel est le caractère du théâtre d'opération, c'est-à-dire en fait le caractère de la situation mondiale après la défaite de 23. Trotsky, il va défendre en fait dans cette situation-là qu'il y a une stabilisation relative du capitalisme, c'est-à-dire que la succession de défaites révolutionnaires en fait après la révolution russe va permettre au capitalisme de souffler et que donc la tâche immédiate ne sera probablement pas la prise du pouvoir et la préparation de l'insurrection dans les pays européens, c'est-à-dire en fait que les défaites se payent et on allait payer au moins pendant quelques années le prix de la défaite de 23 en Allemagne. Et néanmoins, en fait, il dit que cette stabilisation va être une stabilisation relative parce que, précisément, on vit dans une époque, l'époque impérialiste, qui est une époque, en fait, de virage brusque. Et que cette stabilisation, elle pouvait très bien, en fait, être brisée dans quelques années par l'éclatement d'une guerre ou, en fait, d'une nouvelle situation révolutionnaire dans un pays. Et que ça, en fait, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas forcément prévoir. Et Trotsky, il va donc, en fait, théoriser surtout la nécessité de la préparation des directions de l'international communiste à pouvoir en fait, appliquer ce type de tournant, à pouvoir interpréter le moment, par exemple, du passage de la défense à l'attaque et saisir les occasions pour ne pas en fait, passer à nouveau à côté de situations révolutionnaires comme cela avait été le cas en Allemagne. Il y a un autre révolutionnaire dont je vous parlais au début, en fait, qui était Gramsci, qui va, dans une certaine mesure, lui aussi, s'opposer à ce qui va être la ligne de l'international communiste qui est « rien n'a changé, tout continue comme avant, etc. etc. » Il va dire « il y a quand même en fait, quelque chose qu'il faut voir ici. » Sauf que pour lui, ce n'est pas tant le problème en fait, de défense et attaque de virage brusque. Il va en fait, théoriser plutôt en termes en fait, des différents théâtres d'opération sur le plan spatial. Et il va commencer en fait, à beaucoup théoriser l'idée que en fait, la révolution en Occident et en Orient, elle, en fait, pose des problèmes relativement différents et qu'il va y avoir donc deux types de guerres ou en quelque sorte, on pourrait dire, en fait, deux stratégies selon, en fait, le type de pays dont il s'agit. Et il va utiliser, en fait, deux termes qui sont eux aussi hérités, en fait, de débats militaires pour dire, en fait, que dans les pays de développement capitaliste avancé, il s'agira surtout en fait, de mener une guerre de position. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre de position pour Gramsci? C'est par exemple, en fait, selon le modèle de la Première Guerre mondiale, une guerre de tranchées, où en fait, on avance un petit peu, on occupe la tranchée, et on se défend, on y reste, on se défend, et on lutte pour garder cette tranchée jusqu'au bout. Mais c'est une guerre en fait, beaucoup plus statique, d'une certaine façon, hein, où la lutte pour conserver les positions et donc les tranchées va jouer un rôle décisif. Et il va opposer à ça, en fait, la guerre de mouvement, qui serait, elle, en fait, donc plus adaptée aux pays de type orientaux, où la faiblesse de l'État capitaliste, de la démocratie bourgeoise, etc., permettrait davantage des tactiques offensives pour, en fait, pouvoir s'emparer du pouvoir. Le principal problème, les camarades, si vous voulez, que les élaborations de Gramsci en fait, ne finissent pas de répondre, en tout cas en fait, selon notre analyse, c'est précisément sur en fait, comment on passe de la guerre de position à la guerre de mouvement.
parce qu'on ne peut pas vivre dans une tranchée. Et si on y reste trop longtemps, probablement, à un moment donné, en fait, on finira par nous y chasser. Donc, le grand problème de la révolution est le problème de savoir quel est le moment de quitter la tranchée et d'avancer pour en faire une autre, en fait, plus loin, voire, en fait, pour attaquer directement, en fait, la place forte de l'ennemi. Et cette question-là, la question, en fait, du passage de la tranchée ou de la position vers, en fait, l'offensive révolutionnaire, est le problème, en fait, qui est le moins théorisé en quelque sorte en fait par Gramsci. Gramsci n'a jamais, contrairement en fait à ses épigones, c'est-à-dire ceux qui se revendiquent du gramscisme, mais pour défendre en fait des positions qui n'ont rien à voir avec celles du révolutionnaire italien, vont transformer en fait la défense de la tranchée ou de la position d'un Gramsci dans une fin en soi, comme si Gramsci, la seule chose qu'il voulait, c'était occuper des places dans, en fait, l'État capitaliste tel qu'il était. Vous voyez, en fait, à quel point on peut utiliser, en fait, une théorisation révolutionnaire pour ensuite, en s'appuyant, en fait, sur une faiblesse, la transformer dans son contraire. Et donc, tous les réformistes du monde entier ont commencé à se sortir, en fait, des citations de Gramsci pour dire, vous voyez bien, il y a ici une bataille culturelle et donc on doit occuper des places dans le système. Et au fur et à mesure, cette grande tranchée qu'on va construire dans le système passera, en fait, à autre chose. Vous voyez qu'au final, en fait, on finit par déboucher sur, en fait, quelque chose qui ressemble beaucoup à la stratégie d'usure de Kautsky, c'est-à-dire, en fait, on y reste, on occupe des positions, etc., etc., nanana, et le problème du passage à la prise du pouvoir ne se pose jamais parce qu'il y a, de fait, un renoncement à cet objectif stratégique qui est celui de la prise du pouvoir. Cela ne veut pas dire, les camarades, que la pensée de Trotsky n'a pas été, elle non plus, en fait, elle aussi, prostituée, d'une certaine façon, en tout cas qu'il n'y a pas eu des interprétations totalement contradictoires avec ce qu'était la pensée de Trotsky, concernant en particulier la tactique du gouvernement ouvrier. Quelques-uns parmi vous, peut-être, en fait, connaissent ces discussions, mais il y a eu, dans plusieurs courants, il y a eu, en fait, à l'intérieur de la LCR, au début, milieu des années 2000, une utilisation de, en fait, la tactique du gouvernement ouvrier et en particulier de son application par Trotsky en Allemagne de 1923 pour justifier rien de moins que la participation à des gouvernements bourgeois parfaitement normaux. C'est comme ça, en fait, que dans un pays qui m'est très cher, qui est le Brésil, en 2005, il y a, en fait, le courant du secrétariat unifié au Brésil qui, en 2003, pardon, qui intègre avec un ministre qui était par ailleurs mon patron, parce que je travaillais en fait dans son ministère, le gouvernement Lula, qui est un gouvernement en fait bourgeois, certes avec quelqu'un qui était issu de la classe ouvrière, mais en fait c'est un gouvernement clairement en fait de conciliation de classe et qui allait en fait y compris appliquer une politique presque libérale. C'est-à-dire en fait qu'il y avait, le deuxième du gouvernement était un des principaux industriels du pays, c'est comme si c'était une liste en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais Mélenchon, Bernard Arnault, quoi, quelque chose comme ça. C'était en fait les têtes de liste. Donc c'était en fait épouvantable et qui avait en fait signé l'engagement de respecter tous les pactes avec le FMI, de payer toutes les dettes, etc., etc. Les trotskistes de la 4e internationale secrétaire unifiée décident de rentrer dans ce gouvernement, d'y avoir un ministre et d'y rester même après que ce gouvernement en fait ait réprimé les travailleurs sans terre, que ce gouvernement ait appliqué une réforme de retraite totalement réactionnaire, ils y sont restés. Et la position du parti français, qui jouait un rôle très important en fait, dans l'international, va être en fait, de critiquer, mais de ne pas en faire une question de principe. Et ils vont utiliser pour cela les phrases en fait, de Trotsky sur le gouvernement ouvrier, en disant « vous voyez bien que sur certaines conditions, il y avait quand même une ambiguïté, et ce n'est pas vrai qu'il faut toujours attendre en fait, l'insurrection pour pouvoir entrer dans n'importe quel gouvernement. » Sauf que les conditions concrètes que posait Trotsky, chez Ben Saïd, qui est celui en fait, qui va faire cette théorisation, disparaissent complètement. Donc l'imminence de l'insurrection, ils vont la remplacer par l'existence d'un vague mouvement qui puisse appuyer le gouvernement en question, et surtout la question en fait, des mesures concrètes qui étaient l'armement du prolétariat et le désarmement de la bourgeoisie, va devenir en fait n'importe quoi. Donc si c'est un gouvernement qui attaque un tout petit peu en fait, les intérêts des secteurs en fait, les plus concentrés de la bourgeoisie, ça suffisait déjà.
C'est-à-dire, en fait, que ça devient une justification pour pouvoir intégrer n'importe quel type de gouvernement bourgeois dans n'importe quelle condition. C'est une déturpation totale de la tactique du gouvernement ouvrier et une déconnexion de l'objectif stratégique, de la façon en fait concrète et du théâtre d'opération et de la situation qui était posée en fait par Trotsky à l'époque. Donc il y a beaucoup de mauvais usages à la fois de Trotsky et de Gramsci dans un contexte où il s'agit en fait de deux révolutionnaires qui ont tenté à une époque extrêmement en fait convulsive de penser le problème de la révolution dans des théâtres d'opérations différents. Trotsky aussi a théorisé, ce sera l'objet en fait de la prochaine séance, mais a aussi théorisé la question de la révolution en Occident et de comment en fait il fallait se servir des tranchées et de comment par exemple dans les pays orientaux la prise du pouvoir est plus facile, mais la construction du communisme est beaucoup plus difficile, et que c'est l'inverse dans les pays avancés, que la prise du pouvoir est très difficile, mais une fois en fait qu'on a pris le pouvoir, difficilement en fait on va se taper ceux qui se sont tapés les Russes entre 19 et 1921. Donc il y a beaucoup de théorisation sur ces questions-là, mais il me semble en fait que c'est très intéressant, et c'est pour ça en fait que moi j'ai voulu insister sur en fait ces différents moments et ces discussions, parce que ça permet beaucoup de montrer les camarades que le marxisme n'est pas un mode d'emploi, que le marxisme n'est pas en fait une liste de modèles où on regarde et on apprend ce qui a été fait dans la révolution russe et on se dit, on répète, qu'il y a beaucoup de courants qui font ça, qui te sortent des citations totalement en fait sorties de contexte pour justifier des choses qui n'ont strictement rien à voir. Le marxisme est un guide pratique pour l'action. Le marxisme est un outil pour en fait penser la réalité à chaque moment donné, et le marxisme, il a été nourri pendant le XXe siècle, en fait, d'élaboration sur la stratégie militaire, que j'espère, en fait, vous avoir montré la pertinence qu'elles peuvent avoir à des moments donnés, en fait, pour penser aussi des problèmes qui ne sont pas de la guerre entre deux pays bourgeois, mais qui sont, en fait, les problèmes de la révolution prolétarienne et de, par exemple, comment on se sert des tranchées, comment, en fait, on se bat dans des situations de défensive et surtout, en fait, comment on passe des, en fait, positions défensives qui sont souvent des positions, en fait, plus... Clausewitz, il dit une chose intéressante, je vais finir en fait aussi sur cette idée. Il dit qu'en fait la position de la défense est une position très forte et que la position de l'attaque est une position plus faible. C'est intéressant parce qu'on dirait le contraire, non ? On dirait que celui qui se défend, en fait, il est faible et celui qui attaque, il est fort. En réalité, il faut avoir une certaine force pour pouvoir attaquer. Et c'est précisément parce que quand on attaque, on est plus découvert que quand on résiste dans une tranchée. Et donc, d'une certaine façon, l'art de la politique, y compris parfois en fait des choses simples, les camarades, consiste à savoir utiliser les tranchées, les positions, les forces de la défense pour pouvoir en fait à des moments donnés soit déclencher en fait des bons coups à l'adversaire, soit y compris pouvoir préparer le passage à l'offensive. Je vais vous donner en fait un exemple anodin, c'est vraiment en fait anodin, c'est dans la limite du ridicule à notre petite échelle, mais pour vous montrer en fait comment ce type de choses-là peut s'appliquer en quelque mesure en fait à notre politique quotidienne. Vous vous souvenez d'un moment en fait pendant la campagne d'Anas, regardez, je suis en train de parler d'une campagne électorale, hein. On parle de la révolution de 23 et on passe à une campagne électorale. Théâtre d'opération, on ne peut plus différent. Mais en fait, la campagne d'Anas, il y a un moment, on était en fait très attaqués de tous les côtés, Et il y a un moment où en fait les FAF, qui attaquaient beaucoup la campagne d'Anas, font un pas très virulent d'attaque contre nous. Donc c'est le moment en fait où les anciens de génération identitaire décident de faire une affiche avec la tête d'Anas qui dit en fait qu'Anas est un candidat 0% français et 100% islamiste. Ils placardent l'ensemble du quartier latin et ils se font film devant le quartier latin en laissant entendre en fait qu'ils ne vont pas permettre qu'une conférence qui était prévue à la Sorbonne avec Anas puisse se tenir. C'est-à-dire, en gros, ils nous menacent. Face à ça, on aurait pu faire plusieurs choses. On aurait pu, par exemple, en fait, considérer que c'était trop dangereux et décommander la conférence à la Sorbonne. À la limite, la conférence à la Sorbonne, ce n'était pas un truc stratégique pour nous. C'était un problème tactique. Et je pense que la façon comme nous avons répondu est un exemple très, très petit, et c'est pour ça qu'à mon avis, ça a été un des moments les plus forts de la campagne, de comment on transforme une attaque
contre nous, à partir de la position forte de la défense, parce que c'était too much quand même, en fait, de vouloir empêcher Manu Militari, un candidat, de pouvoir parler à la Sorbonne, on l'a transformé, probablement, en fait, dans un des moments les plus forts de la campagne. Le meeting, par ailleurs, en fait, la conférence à la Sorbonne, qui n'allait pas forcément être un grand succès, est devenu un immense succès, parce qu'il a été compris, y compris par une partie du mouvement social, au-delà même de nous, il y a eu les antifas qui sont proposés pour venir aider, qu'en fait, il y avait quelque chose à défendre, que c'était la possibilité pour un candidat révolutionnaire, d'origine maghrébine, etc., de parler dans une université comme la Sorbonne. C'est-à-dire où l'enjeu paraissait comme un enjeu défensif qui justifiait plein de gens qui ne soutenaient pas en positif la candidature d'Anas, mais qui se sont disposés à venir défendre la possibilité d'Anas de parler à l'université. Nous nous sommes servis de ça par la suite, en fait, pour dynamiser la campagne, pour tisser des liens nouveaux avec un secteur avec lequel on avait peu de liens, en fait, qui c'est le milieu antifa. Et ça a été un élément, en fait, probablement des moments les plus forts de la campagne vers la fin. Donc, en général, en politique révolutionnaire, les questions, en fait, de tactique et de stratégie, les questions de comment on utilise les forces de la défense pour déclencher des coups, pour passer à l'offensive, etc., de comment, en fait, on cherche à regrouper nos forces, à retrouver des alliés, à diviser les ennemis, comme je disais hier, sont des questions fondamentales qui s'appliquent tous les jours à la grande politique, mais aussi à la petite politique, à chaque intervention à l'université, dans chaque grève. Je ne sais pas, dans une grève, en fait, comme la grève d'Honnête, nous avons, en fait, systématiquement pensé des éléments de politique pour diviser nos ennemis. Nous avions, en fait, Honnête, qui était le sous-traitant, et nous avions la SNCF, en fait, qui était le donneur d'ordre. Nous, ça nous convenait qu'ils aient, en fait, des intérêts différents à un moment donné, parce que nos ennemis, en fait, seraient divisés, et ainsi la victoire, elle serait plus facile. De la même façon, il y avait à l'intérieur de la grève des secteurs différents. Un secteur, en fait, qui était très déterminé, limite jusqu'au boutiste, et un secteur qui n'en pouvait plus au bout de 45 jours. Et nous avons fait des choses incroyables pour pouvoir maintenir l'unité entre ces deux secteurs-là jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on puisse, en fait, faire fléchir le patronat en face. Sans tout ça, le plus probable, en fait, c'est que cette grève, elle se termine par une défaite. Il y a eu à l'époque, en fait, un intellectuel gramscien, un parti, en fait, qui, non pas par hasard, ou peut-être par hasard que chez Yann, qui a dit, il a écrit un article où il disait, en fait, cette victoire totalement improbable. C'est-à-dire, en fait, 45 travailleurs et travailleuses, et je profite pour inviter ceux qui n'ont pas encore regardé, en fait, à regarder la projection, c'est ce soir, non ? Ce soir, en fait, là-dessus. Mais, en fait, une victoire totalement improbable qui montre, mes camarades, et je veux finir avec cette idée que, en fait, contre tous les prophètes de la défaite, du rapport de force dégradé, du on ne peut rien faire parce que la classe ne veut pas, parce que le fascisme est à nos portes, il est minuit moins 5 dans le siècle, etc., etc., tout ce que vous entendez tous les jours, contre tout cela, la victoire est une tâche stratégique et le rapport de force de départ n'est pas le rapport de force d'arrivée, et que l'art des révolutionnaires s'est transformé des situations d'un rapport de force dégradé, transformé des situations de défensive dans des victoires. Et c'est à ça qu'on sert, pour le reste, en fait, il y a tous les autres. Voilà.